pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni. Nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des moqueurs qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient le soleil pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions. C'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, au Dieu sanguinaire, en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti
en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Par de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait. Te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit, donne-moi la vie de ton fils unique, toi, tu obéis. Tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous voici devant le corps inanimé de maman Berthe, notre maman, notre sœur, notre amie. Elle a pris le chemin du retour, le chemin vers le Père. Elle nous a devancés dans la maison du Père. Et comme nous sommes sûrs que tous nous rentrerons un jour, nous devons pleurer certes, mais avec notre foi de chrétien, nous devons penser plutôt à la rencontre ultime dans la maison du Père. Et pour que cette rencontre puisse être fraternelle, chaleureuse, prions pour le repos de maman Berthe, prions pour ses manquements, pour que le Seigneur lui accorde une place auprès de lui. J'ai mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Passé par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Parole du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux trespasseurs.
salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Cher, accorde-lui de te voir face à face et affermis notre espérance de la voir près de toi un jour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-lui, Seigneur, que son vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
vise chang pi wenge dange chu mungwa singuni mo chum siyo mayole ye mafuyole chum siyo. Ton amour, merci pour ton affection. Maman Ngopeno, Ngopeno, Ngopeno. Maman Ngopeno, no kwe kuni mole. Maman Ngopeno, no kwe yo affection. Maman Ngopeno, no kwe kuni mole. Maman Ngopeno, no kwe yo amoua. Mangouza vukuva mole. Si si me pinza mele Ngopeno Awuza manje manje meno Ngopeno Anga fuma ngoma nguzele Ngopeno Shanzi mafo manje meno Ngopeno Anku unye mose teke natuwe mamao Ngopeno Antindu mangoma njo mono Ngopeno Anku unye mose teke natuwe mamao Siwawa mangoma le we'll be right back.
Nous sommes venus ce soir dans cette église cathédrale pour confier l'âme de Maman Berthe qui a quitté ce monde à la soixantaine pour rejoindre notre sanctuaire. Nous prions pour implorer sur elle et sur nous-mêmes la miséricorde de Dieu. Et pour que notre prière en la faveur de Berthe trouve un écho favorable auprès du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs et mendions sa miséricorde. Alliance biologique de Berthe.
Je commence cette méditation par cette phrase savante d'un grand historien que beaucoup d'entre vous peuvent connaître. Il dit ceci. Parce que le christianisme donne à Jésus sa plus grande dimension, parce que la résurrection du Sauveur donne un sens et un avenir à notre parcours terrestre, si difficile soit-il parfois, je continue à m'attacher à lui. Quelle belle profession de foi! Une foi que plusieurs personnes parmi nous partagent, même s'ils n'ont pas les mots savants, des gens de l'humour. Oui, tous ces croyants et croyantes sont de la race de ceux que nous avons rencontrés en lisant l'extrait de l'évangile de Luc qui nous raconte l'épisode des disciples d'Emmaüs. Regardons-y de près. Ils ont beau parler de lui, se rappeler les moments heureux qu'ils ont vécu avec lui. Son absence leur pèse lourd.